Robin, arrête. Si tu continues là, à faire cette tête-là, là, moi, je vais aller jouer avec les autres. Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Elle t'a la face longue. Longue comme 35 multiplications l'une à côté de l'autre. Parle-moi pas de multiplication, je veux plus jamais en entendre parler. Ça peut arriver à n'importe qui. 3 sur 10 pour un test en mathématiques, c'est pas la fin du monde. C'est facile à dire. Ça paraît que c'est pas toi qui as eu 3 sur 10. Bon, d'accord, j'ai eu 6. Mais c'est pas plus grave que ça. Je parle juste. Mais c'est normal, j'ai pas étudié. Mais moi, j'avais étudié. J'avais tout fait pour me les rentrer dans la tête, les tables de multiplication. Regarde, même la première question, là, je la savais, la réponse. 4 fois 5, 25. Et que t'es donc cornichon quand tu veux. 4 fois 5, ça fait 20, pas 25. T'es sûr? Mais oui. 5 fois 5, ça fait 25. Mais non, c'était là. 5 fois 5, ça donne... ça fait... 5 fois 5, ça fait... Ça fait que j'haïs les mathématiques. C'est la chose que j'haïs le plus au monde entier. J'haïs autant ça que la crème glacée aux yeux de grenouille, si ça existait. La crème glacée aux yeux de grenouille? Wesh! Là, j'ai même pas pensé à ça. Et moi, c'est aux tables de multiplication que je n'ai pas pensé. J'avais étudié. T'as vu? Ça n'a rien donné. Ça sert à rien. Ça me rentre pas dans la tête, les tables de multiplication. Ça bloque en dedans, en dessous de mes cheveux, là. Mais j'aimerais bien ça savoir où. Qu'est-ce qu'ils ont, tes cheveux? Je les trouve corrects, moi. Des fois, j'aurais le goût de les arracher. Surtout quand on parle de multiplication. C'est drôle. Si tu commences à arracher tes cheveux, là, tu vas ressembler à ton père. Parle-moi pas de lui, tu vas me rendre malade. Voyons, Robin, qu'est-ce qui t'a fait, ton père? Oh. Rien. Jusqu'à maintenant. Il attend qu'il voit mon test. Oh. Là, il sera pas content. Montre-moi donc ça, cette feuille-là. Ouais. Sérieuse difficulté en mathématiques. Moi aussi, on m'a toujours dit ça, que j'avais pas la bosse des maths. Mm. Tu peux pas savoir le temps que ça m'a pris pour comprendre que 6 fois 7, ça faisait 49. 42! Hein? T'es sûre de ce que tu dis là, toi? Oui, 6 fois 7, ça fait 42. Pas vrai, Robin? J'aime mieux pas me mêler de ça. C'est pourtant vrai. Je sais pas où j'avais la tête. Tenez, allez installer le jeu, j'arrive dans 2 minutes. Ça vous tente pas de jouer aux multiplications avec nous? Oh, moi, les multiplications, là, j'en ai jusqu'aux oreilles. Surtout quand je pense à mon père. Ton père? T'as juste à pas lui montrer. On peut pas. Faut faire signer nos examens par nos parents. C'est ça qu'il y a de pire. Mon père, il est gérant. Il fait de la comptabilité. Lui, quand il signe un papier, là, il regarde vraiment ce qu'il y a d'écrit dessus. Voyons, t'exagères pas un petit peu, là? Je suis sûre que si tu lui expliques que t'as fait ton possible, que c'est pas de ta faute... Il va dire que j'ai pas pensé avec ma tête, c'est ça. Quand même, tes parents t'arracheront pas la tête pour ça, hein? C'est pareil que tu connais pas mon père, toi. Quand il y a quelque chose dans la tête, là... Oh! Oh non! Ça recommence. Qu'est-ce que je peux bien avoir dans la tête? Je suis sûr qu'un peu d'exercice, ça va me replacer. Oui. Attention. 1, 2. Je l'ai! Quoi? L'idée? Tiens, prends ton test, là. Puis tout en bas, là, t'as juste à imiter la signature d'un de tes parents. Comme ça, j'aurais pas besoin de leur montrer. C'est pas fou, hein? Je vais imiter la signature de ma mère. Oui. Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je serais jamais capable d'imiter les pattes de mouche de ma mère. Oh, mais imite l'écriture de ton père, d'abord. La signature de mon père, c'est une espèce de gros barbeau. Il se vante de faire une signature de docteur. Il devrait soigner son écriture, hein? Oh, puis de toute façon, si jamais mes parents apprenaient que j'ai imité leur signature, ils me zigouilleraient. Oh non, celle-là, c'est vraiment pas une bonne idée. Oh, d'accord. J'ai pas des bonnes idées, moi. Mais... c'est pas de ma faute. Je suis meilleure pour les multiplications. Mm. En tout cas, t'es pas chanceux. Quoi? D'avoir un père qui signe comme un docteur? Non, d'avoir des parents aussi sévères. Regarde mon père. Oh, mon père, là, il me chicane jamais. Même quand j'ai pas de bons résultats, il dit jamais rien. Jamais? Jamais. C'est génial, ça. Oh, non, il a un bon caractère.
Non, 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 mon idée est géniale. Pourquoi on change pas de feuille? Tu veux dire que je fasse signer ton test par mon père? Non, pas question. Mais c'est ce que tu disais il y a 2 secondes. Regarde, on peut pas. Regarde, mon nom est écrit à l'encre. On peut pas l'effacer. Mais pourquoi tu signes pas à la mine? Regarde, le mien, on pourrait l'effacer. Ah oui, mais y a pas rien que ça. Mon père, il dit jamais rien parce que il me fait confiance, hein. Il sait que je fais mon possible. Mais si j'arrivais avec un 3 sur 10, là, je sais pas qu'est-ce qu'il me ferait. Ah, toi aussi, tu te ferais sonner les cloches, hein, Stella? Ouais. Bon, je savais, 3 sur 10, c'est pas beaucoup. Mais non, 3 sur 10, c'est pas pire, hein. Si t'avais eu 0, là, je te conseillerais d'aller mettre ta tête dans la gueule d'un crocodile. Mais 3 sur 10, c'est pas si pire que ça. Mmh. Hein, tu viens? J'ai pas le goût de rentrer. Si mon père va arriver travailler, là, ça va être... Hé! Il est encore au travail. Oui? Bien, je vais me dépêcher. Je vais faire signer ma mère avant qu'il arrive. Et puis... Oh, oui, ça va marcher. Comme ça va être moins pire avec elle. Et puis tu t'arrangeras pour qu'elle en parle pas à ton père. Oh, ça, c'est une bonne idée. Génial! Hé, hey, mais Robert, attends-moi! Bye-bye, Catou! J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Darius. Darius. Oui, allô, c'est bien Darius Francoeur, à qui ai-je l'honneur? C'est moi, Conrad. Conrad? Mais où es-tu? Ici. Hein? Conrad, mais depuis quand tu rentres comme ça sur la pointe des pieds sans faire de bruit? Je veux pas te faire peur avec ça, Darius, mais je pense qu'il y a quelque chose... Qui tourne pas rond là-dedans? Hein? Mais je suis parfaitement sain d'esprit et tu devrais pourtant être convaincu, Conrad, mon frère. Je te parle de ma tête, pas de la tienne. Excuse-moi un instant. Oui, allô? Mais qui est à l'appareil? Répondez, s'il vous plaît. Oh. C'est moi, Darius. Vas-tu finir par comprendre que c'est ma tête qui sonne? Ah oui. Ta tête qui sonne? Pouvez-vous rappeler un peu plus tard? Là, je suis très occupé en ce moment. Hein? Merci. Bien aimable. Oui. Ta tête qui sonne! Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bien, regarde. Je veux dire écoute tout en regardant. Monsieur, ça dure depuis longtemps? Depuis que je suis parti faire mon jogging. Peut-être qu'en faisant un mouvement bizarre, j'ai fait décrocher quelque chose d'important de mon cerveau. Hémisphère d'hémisphère. Parce que c'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Mais est-ce que c'est douloureux? Non. Mais c'est fatigant, par exemple. Ça commence à me taper sur les nerfs. Des fois, j'ai l'impression de me retrouver à la tête d'un troupeau de vaches. Oh. Je suis tanné des cloches d'Arius. Oh, mais t'as raison, Conrad. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Je me demandais si ça venait pas de mes combats. Tu sais quand Bobo Brasil m'a donné un coco-boing qui m'a fait voir des étoiles, ou quand je suis tombé la tête première en bas de l'arène, c'était contre le grand Roméo. Tu sais, celui qui a des oreilles grosses de même. Faudrait faire quelque chose, Darius. As-tu une idée? Oh! Je t'avoue que j'ai beau me creuser le ciboulot, il n'y a rien qui résonne. Bien, c'est pas mon cas. Eh bien, à ta place, j'irai voir un médecin le plus vite possible. Vas-y, tout de suite. D'accord. Tiens, Maroukine, un bon shampoing vitaminé. Ça fait du bien. Ça va donner du corps à tes cheveux. Oh, puis je veux te faire une de ces mises en plis, là. Bonjour, maman. Oh, bonjour, Robert. As-tu passé une bonne journée? Oui. Ben justement, je voulais te demander... Oui, quoi? C'est parce que... Oh, non. Oh, pas les cheveux dans les yeux. Non. Oh, voyons, Noiraud. Oh, c'est pas bon pour la vue, des cheveux qui tombent dans les yeux, là. Écoute, maman, justement, peut-être que je ferais mieux de t'en parler tout de suite, parce que... Oui, qu'est-ce qu'il y a, non, blondinette! Oh, ça te va pas du tout, hein? Avec ta longueur de cheveux, là, ça te va pas du tout, cette coiffure-là. Non, pour toi, il vaut mieux quelque chose de plus bouffant, hein? On a eu un test aujourd'hui, maman. Non! Et puis, je sais... Non! Oh, oui? Oh, noir rose! Non, pas une pellicule, ça se peut pas!
juste une poussière. Oh, j'ai eu peur. Maman, écoute-moi, c'est très important ce que j'ai à te dire. Je sais que tu seras pas contente, mais je voulais te demander une promesse. Oui, 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 je comprends, Robin. Mais j'étais en train d'oublier la mise en pli de ma rouquine, là. Oh, oh, quand les cheveux sèchent trop, c'est plus faisable après. Oh. Bon, raconte-moi, là, Robin. Hein? Qu'est-ce que t'as vécu de si extraordinaire aujourd'hui? Blondinette, qu'est-ce que... Robin, veux-tu bien me dire? Maman, c'est très important, c'est même urgent. Qu'est-ce qui s'est passé de si important aujourd'hui pour que tu sois pas capable d'attendre 3 ou 4 minutes? Hmm? Bon, mais regarde, c'est à cause de... Salut, la compagnie! Déjà, toi? Surprise de me voir aussitôt. Oh, bien oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Pour moi, aujourd'hui, tout a été comme sur des roulettes. Je suppose que, de ton côté, toi, tu vas me dire que tout a été comme sur des rouleaux. Non! C'est bien que je plaisantais. T'es donc fou! Oh, tu me fais assez rire quand t'es comme ça. Comme à la fin de chaque mois, j'ai mis de l'ordre dans mes livres. Tout balançait à la scène. S'il y a quelqu'un qui sait compter, Violette, c'est bien moi. Même que le patron m'a dit, « Léon, des fois, je me demande si t'as pas une calculatrice à la place du cerveau. » Est-ce que c'est un compliment, ça, ou si c'en est pas un? Même que pour toi, c'est presque un mot d'amour! Merci, Violette, tu me fais chaud au cœur. Mais qu'est-ce que c'est, ça, un con? Oh! Non, non, c'est rien! Je veux juste voir. Léon? Léon? Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui te prend? Robin Brizard! 3 sur 10 de sérieuses difficultés en mathématiques, mais c'est pas possible! Oh! Robin, j'ai 2 mots à te dire. Moi, je pensais que ça finirait jamais. On aurait dû un orage électrique avec des éclairs puis du tonnerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Raconte! Ben, au début, là, je pensais qu'il allait faire une crise cardiaque. Il était là, là. Robin! Brizard! Il était monté sur ses grands chevaux. C'est ça. Là, là, il est venu rouge comme une tomate. Puis là, il m'a dit que j'étais concombre, tarte, cornichon, que j'allais faire patate dans la vie, puis que j'avais pas plus d'ambition qu'un chou-fleur, puis que... T'aurais dû lui dire que si t'étais un cornichon, une tarte, un concombre ou un chou-fleur, ça te coûterait pas cher pour ouvrir un restaurant, hein? On rit, mais c'est pas drôle. Ouais, t'as bien raison. J'aurais pas voulu être à ta place. Il comprend pas. Il pense que je fais exprès pour être nulle en mathématiques. Mais lui, il est bon dans les chiffres, il aime ça. Il peut pas comprendre que pour quelqu'un d'autre, c'est du chinois. Mais qu'est-ce que tu vas faire si jamais c'est toi qui es choisi pour faire le combat? Quel combat? Ben voyons, Robin Brizard! Viens sur Terre, là! Ben, je te le dis, celle-là, de quel combat tu parles? Voyons, Robin, c'est vendredi prochain que va avoir lieu le fameux combat à l'école. Et tu sais, c'est sur quoi? Oh, non! Je le devine. Les tables de multiplication. Oh! Hey, mais tu m'inquiètes, là. On est dans la même équipe, bonhomme. Si c'est toi qui es choisi, là, c'est sûr qu'on va perdre. Mais comment ça, si c'est moi qui ai pigé? Dans un combat, on répond chacun notre tour, et puis si je me trompe, ben les autres vont me réchapper. Hé, mais t'en as perdu un bout, là, Robin Brizard. Tu te souviens pas que cette fois-ci, c'est spécial? Il y a des noms qui vont être tirés au hasard pour choisir le chef de chaque équipe. C'est lui qui va représenter ses coéquipiers. Les autres, là, auront juste un droit de réponse si jamais le chef y arrive pas. T'étais dans la lune ou quoi? Oh oui, c'est vrai que... Dans le cours de maths, là, je suis toujours dans la lune. De toute façon, j'aime pas ça. Inquiète-toi pas. Si les noms sont tirés au hasard, je vois pas pourquoi ce serait moi qui serais tirée. T'as raison de pas t'inquiéter. Malchanceuse comme je suis, là, je gagerais n'importe quoi que c'est mon nom qui va être pigé. Qu'est-ce que t'as à sourire? Ben, j'espère qu'on va gagner. Es-tu prête? Non, faut que j'étudie, puis ça m'écœure. J'ai pas envie d'avoir l'air d'une folle. Me vois-tu, là, planter là devant les autres à dire des mauvaises réponses? J'aurais l'air ridicule. Mais inquiète-toi pas pour ça. C'est pas sûr que ce soit ton nom qui soit pigé. Moi, là, ça m'inquiète vraiment pas. Parce que
Je gagne jamais rien. Puis c'est pas maintenant que mon nom va sortir. Oui, 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 mais s'il sort, hein? Qu'est-ce que tu vas faire s'il sort? Je vais envoyer mon père à ma place. Hein? 8 fois 4, ça donne combien de cocons? 7 fois 3, ça fait combien de tartes? D'accord, patron. Une calculatrice. Une calculatrice à l'énergie de Léon Brizard. Léon, Léon, réveille-toi. Pas avant d'avoir trouvé la réponse, pas avant. Léon, tu devrais te lever, là, on va souper. J'ai besoin de toi pour couper les légumes, mettre la table. Léon! Non! Qu'est-ce qui se passe? Mais énerve-toi pas, là. Je t'ai juste demandé de m'aider à préparer le souper. J'ai travaillé toute la journée, moi aussi. T'aurais pas pu demander ça à Robin? Il est pas là. Comment ça, Robin, il est pas là? Où est-ce qu'il est? Chez Stella, il est allé faire un tour. Je comprends pas, c'est pas mêlant. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, Léon? Qu'il soit pas aussi bon que toi en mathématiques? Non, je comprends pas que tu l'aies laissé sortir. Avec les résultats qu'il a, il devrait avoir le nez dans ses livres, notre Robin. Quand même. Surtout le nez dans ses tables de multiplication. Mais non, il voit pas ce qu'il y a d'important dans la vie. On dirait qu'il veut seulement s'amuser, cet enfant-là. Je te le dis, Violette, il s'en vient paresseux. D'accord, je suis d'accord. Il y a eu une mauvaise note en calcul. Mais la semaine dernière, il y a eu 10 sur 10 en dictée. 10 sur 10 en dictée? Ouais, c'est pas mal, ça. Tu vois qu'il est pas si paresseux. Mais tu remarques jamais ses bons coups. Oui, mais c'est pas équilibré, son affaire. J'aimerais mieux qu'il fasse quelques fautes en dictée et qu'il soit meilleur en maths. C'est tellement important, les maths de nos jours. Sans les chiffres, on aurait l'air de squelettes. En tout cas, il y a quelque chose qui nous manquerait. Oublie pas qu'ils se retrouvent dans une nouvelle école. Ils ont peut-être des méthodes différentes. Voyons donc, Violette. 2 fois 2, ça donne 4. Dans n'importe quelle méthode et dans n'importe quelle école. Non, non, on a été trop mou, trop bon depuis quelque temps. Mais ça va changer. Ah oui, ça va changer. Je vais l'entreprendre, moi. Je vais serrer la vis. Qu'est-ce qu'on mange, une fin de loup? Un instant, jeune homme, un instant. Tiens, Robin. Tut-tut-tut! Ce qui est dit, est dit. Cet enfant-là aura droit à sa soupe quand il m'aura donné une bonne réponse, pas avant. D'ailleurs, mon cher Robin, je l'attends toujours, ta réponse. Je peux pas te la donner. Oh non, et pourquoi? Parce que je me souviens plus de la question. C'est bien ce que je pensais. Exactement ce que je pensais. Tu n'écoutes pas, Robin Brizard. Tu n'ouvres pas tes oreilles. T'as toujours la tête ailleurs. Comment veux-tu apprendre quelque chose? Quand on n'écoute pas, on n'apprend rien. Comment veux-tu qu'il écoute? Ventre affamé n'a pas d'oreilles. S'il te plaît, Violette, laisse les proverbes dans le dictionnaire. Je trouve la situation déjà assez pénible comme ça. Bon, Robin, écoute, là. 3 fois 6... 12? Non, 3 fois 6 égale 18. Bon, là, il me semble que l'affaire est réglée. Tout le monde ici sait que 3 fois 6, ça donne 18, hein? Allez, Robin, tu peux manger. Non. Robin, une question facile. 6 fois 3. Je sais pas, je sais plus. Ah bien, ça me dépasse, ça, moi. Je viens de te dire que 3 fois 6, ça donne 18 et tu sais pas ce que fait 6 fois 3? J'en ai assez, je comprends pas les multiplications. Comment ça se fait que mon garçon ne comprend pas? Les mathématiques, c'est tellement facile. On aligne 3 ou 4 chiffres et... ping! On a une réponse. Comme ça, le médecin a rien trouvé. Rien, rien et rien. Il a jamais entendu une chose pareille. Il m'a dit qu'il était dépassé par mon corps. Un mystère, hémisphère d'hémisphère. Un mystère qu'il va falloir percer. Oui, mais je voudrais pas que tu me perces la tête, par exemple. Non, inquiète-toi pas, Conrad. Je vais me contenter de creuser la mienne. Ah bon? C'est mieux. Au lieu de crier comme si t'étais en train de te noyer, pourquoi tu prends pas ton temps? Pourquoi t'expliques pas doucement? Peut-être que Robin va finir par comprendre, hein, Robin? Oui. J'ai une idée! Ça va être clair, tu vas voir, ça va être clair. Comme ça, le principe de multiplication va devenir comme un jeu d'enfant. Tu vas le comprendre, mon Robin, en criant « biscuit ». Fallait vraiment que tu prennes des biscuits, Léon. Je trouve que c'est pas donner le bon exemple que de jouer avec la nourriture. Hey, je le sais, Violette, mais c'est pour une bonne cause. Es-tu prêt, Robin? Oui. Bon, maintenant, regarde bien. Qu'est-ce que tu vois, là?
Ben, je vois des biscuits. Ben oui, je le sais, Robin. Mais il y a combien de paquets de biscuits? 1, 2, 3, 4, 5. 6 paquets. Parfait. Et puis, il y a combien de biscuits par paquet? 3. Jusqu'ici, ça marche. Bon, maintenant, 6 paquets de 3 biscuits, ça fait combien de biscuits en tout? Compte-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis? 18. C'est ça! Bon, maintenant, regarde bien. Combien de paquets? 3. Et puis, combien de biscuits par paquet? 6. Et puis, combien de biscuits en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Ah! Hey, c'est la même chose! Ben, c'est ça! C'est la même affaire. 3 fois 6, ça donne 18. Et 6 fois 3, ça donne 18 aussi! Tu comprends? Ah. Top là! Ben non, t'as les mains pleines de chocolat. T'as de l'observation quand tu veux, Robin. Un petit test pour voir si t'as saisi tout le principe. 2 fois 5. Allez, allez, 2 fois 5! Hein, pas si vite, là! Si tu sais comment ça marche, ben, il faut aller vite. 10. Très bon. Je fais réchauffer ta soupe, mon Robin. Attention, mon Robin. 2 fois 7. 14? Est-ce que c'est ça? Je comprends que c'est 14. Tiens, lave-moi donc ces céleris-là pendant que t'as les mains mouillées. Mmh. Pose-moi une autre question, papa. T'y prends goût, mon petit snoro? Attends, une difficile. 4 fois 8. 32. Wow! 5 fois 6? 30. 4 fois 9? 36. 6 fois 6? 36. Extraordinaire! Yeah. Dans mes bras, mon petit gars! Laisse le meilleur professeur de multiplication te féliciter! Oh, mais mon petit schnapp, hein? Il me semblait bien aussi que ça se pouvait pas! Calme-toi, Léon! C'est pas honnête, ça, Robin. Je dirais même que c'est très malhonnête. C'est niaiseux d'apprendre les tables de multiplication. Aujourd'hui, tout le monde a des calculatrices. Même toi, t'en utilises une. D'accord, Robin, d'accord. Mais dans la vie de tous les jours, là, au dépanneur, dans l'autobus, t'auras pas toujours une calculatrice sous la main? Mais toi, ta montre calculatrice, tu l'as toujours avec toi. Oui, mais sur une île déserte, par exemple, imaginons que ta pile est plus bonne, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas de bateau qui passe. Ouais, moi, j'aurais une montre à l'énergie solaire. Oui, mais s'il fait mauvais depuis des jours et des jours, hein? Papa, qu'est-ce que tu veux compter sur une île déserte? Ça suffit, à susu, à fifi. Suffit? C'est ça. Ben, tu vois, Robin, pour une fois, ta mère est d'accord avec moi. Ben non, c'est parce que tu t'es trompé. Suffit, ça s'écrit S-U-F-F-I-T. Ben, c'est ce que j'ai dit, non? Faut reconnaître, Léon, que t'es fort en chiffres. Mais en orthographe, t'es nul. Mais c'est ça comme... Si vous voulez jouer au plus fin, on va jouer au plus fin. Écoute bien, Robin. Tu vas apprendre tes tables de multiplication et puis tu vas tenir prêt. N'importe quand, à partir de demain, au moment où tu t'y attendras le moins, je vais te faire passer un grand test. Et tant que t'auras pas 10 sur 10, ben, tu vas être privé de télévision, de sortie, de petits tours chez Stella, de dessert... J'aurai jamais le temps d'apprendre tout ça pour demain. Je commence juste à comprendre, et puis demain, j'ai l'école, et puis j'ai mes leçons... Cherche-toi pas de porte de sortie. C'est comme ça que les choses vont se passer. Mange, Robin. Oui, mange, parce que tu vas avoir besoin de toutes tes forces. Pauvre Robin. Son père attend beaucoup de lui. Et Robin semble perdre confiance en lui-même. Il se sent submergé de chiffres. Il aurait besoin de trouver quelqu'un qui l'aide vraiment. Arrivera-t-il à ne pas se décourager? Et Darius, de son côté, découvrira-t-il le secret des cloches dans le cerveau de Conrad? Oh, oh! Je sens que nous allons multiplier les rebondissements. C'est ce que nous saurons en regardant la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Nous avons vu que Robin a de sérieux problèmes en mathématiques. À l'école, il a obtenu 3 sur 10 dans un test sur les tables de multiplication. De son côté, Conrad a des problèmes. Chaque fois qu'il bouge la tête, il entend des cloches.
En voyant la note de Robin, Léon, qui a toujours été fort en chiffres, fait presque une crise d'apoplexie. À l'aide de ses chers biscuits, il tente de montrer à son fils les principes de la multiplication. Il menace même Robin de lui faire passer un grand test. Robin est vraiment inquiet. Allons vite voir la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Bonjour, Conrad. Hey! C'est la première fois que je vois quelqu'un qui résonne comme ça. Ça a commencé hier, quand j'ai voulu faire mon jogging. Puis demande-moi pas pourquoi, ça s'est arrêté pour la nuit. J'ai dormi comme une bûche. Ce matin, je croyais que j'étais guéri. Je vais pour faire mon jogging. La tête se remet à me sonner. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Cloche, pas cloche. Je vais aller faire quand même mes exercices. Un, deux, trois, moi, quatre. Moi, quand mon réveil matin sonne... Deux, trois... Je pèse sur le piton, puis arrête de sonner. Oh. Bon. Excuse-moi de t'avoir réveillé, Stella. Oh, ben dans le fond, c'est pas toi qui m'as réveillé. C'est la voix de Robin. Oh, je m'excuse. Non, c'est pas grave. Même que je te remercie, hein. Tu me fais sortir d'un cauchemar. Il y avait des monstres, non? Est-ce qu'il y avait des lutteurs qui essayaient de te faire des prises de tête? Non, non, non. J'ai rêvé que j'étais à l'école. Et ça, c'est tout un cauchemar. Oui. Puis c'est moi qui avais été choisie pour représenter l'équipe au combat de mathématiques de l'école. Oh, ben, c'est peut-être un signe, ce rêve-là. Ça veut peut-être dire que c'est moi qui vais être choisie. Oh, c'est tout un cauchemar, hein? Ben moi, mon cauchemar, là, j'ai même pas besoin de dormir pour le faire. Mon père m'a dit qu'il fallait que je sois prêt pour un test de multiplication à n'importe quel moment. Oh non! Oui. La seule façon de m'en sortir, là, c'est d'étudier mes tables de multiplication. C'est tout ce que je peux faire. Je pense comme toi, Robin. Pour moi, le seul moyen de sortir cette cloche-là de ma tête, c'est l'exercice. Oh. Oui, papa, fais tes exercices, là, mais pas trop fort. C'est pour ça que je suis venue de bonne heure. Je voulais reviser mes tables de multiplication avec toi. On est aussi bien de le faire ensemble. Vu que c'est moi qui vais être choisie, là, je suis mieux d'être prête. Oui. Bon, on va en faire un bout ce matin, pendant la récréation, puis après sur l'heure du dîner. Bon, c'est qui pose la première question? C'est moi. T'es prêt? Vas-y, oui. Bon. Deux fois trois. Ça, c'est facile, je savais. Six. Oui. Fais joli. Bon, une autre facile. Trois fois deux. C'est facile aussi. Six. Oui. Trois fois quatre. Huit. Non. Sept. Non. Attends, je savais. Onze. Non. Treize. Non. Oh, j'arrive pas à me concentrer. Oh, je sais, c'est douze. Mais là, j'étais plus capable de compter dans ma tête. Excusez-moi. Oh, viens, Robin, on va essayer de se trouver un endroit plus calme. Mmh. On a besoin d'une place tranquille pour se concentrer. Oui. Surtout avec les cloches. Laissez faire, c'est moi qui vais aller faire un tour. Non, non, reste, papa. Nous autres, on va s'en aller. Oui. À cloche-pied! Vas-y. Et qui s'en passe donc des choses là-dedans. Oh! Oh, c'est incroyable. Tiens, regarde ça. Regarde comment c'est extraordinaire, un cerveau. Hein? Ah, hémisphère d'hémisphère. J'aimerais donc savoir ce qui cloche dans celui de Conrad. Ah, 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 j'ai gagné! C'est pas juste. T'es donc mauvais perdant, Robin Brizard. Non. Oh, excuse-nous, mon oncle Darius. On cherchait un coin tranquille pour étudier. Oui, on savait pas que t'étais ici, hein? Non. Ah, j'ai beau me promener aux quatre coins du monde, il y a quand même des choses importantes qui me retiennent ici. Des choses comme quoi? Comme le cerveau de ton père, Conrad. C'est le cerveau de... Oh, c'est peut-être pour ça qu'il résonne comme une cloche maintenant. Non, c'est pas le cerveau de mon père, ça. Non, pas du tout. Mais non, c'est une réplique du cerveau humain. Oui, et c'est justement pour ça que je cherche à solutionner le problème des cloches de Conrad, que je réfléchis sur le cerveau. Oh, c'est quand même incroyable, hein, de penser que c'est là que s'emmagasinent les choses merveilleuses que sont nos souvenirs. Oui, oui. C'est dans le cerveau qu'est situé le centre de la mémoire. Oui. Je comprends pas, moi, pourquoi je suis pas capable. Pourquoi tu retiens pas les multiplications? C'est simple, Robin. C'est parce que t'as pas de méthode. T'en as une?
Oui, j'ai une méthode. Elle est très simple. Simple comme bonjour. Suffit d'abord d'avoir deux mains. Deux mains? Mm-hmm. Hey, Stella, je suis pas aussi cornichon que tu le penses. Ça prend pas ta méthode, là, de multiplication avec les mains, là. Mais c'est pourtant vrai. Tu vois, là, chaque main est comme un ensemble de cinq doigts. Ouais, mais ça prend pas de faire des multiplications pour savoir ça. Suffit surtout de pas se tromper et de toucher les bons doigts au bon moment. Sinon, ça marche plus. Je trouve que ta façon de calculer est plutôt comique. Et puis, la façon de bouger les doigts, là, on dirait que tu joues du piano. Robin Brizard, au lieu de passer tes commentaires, là, tu devrais plutôt m'écouter. Bon, d'accord, je t'écoute. Bon, je vais te donner un exemple. Hein? Disons qu'on me demande, là, 5 fois 5. Alors là, sur ma main gauche, j'ai 5 doigts. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et sur ma main droite, je compte 1. Et je continue. 6, 7, 8, 9, 10, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 4, et je finis par 21, 22, 23, 24, 25. Alors là, sur ma main droite, j'ai 5, donc la réponse est 25. Tadam! C'est simple, hein? Oh. Ça n'a pas l'air aussi facile que tu le dis. Hey, essaie toi aussi. Essaie avec 5 fois 5. Bon, mais bien. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Gauche, 1. 7, 8, 9, 10, 11. Hey, j'ai même pas 12. Mais non, Robin, pas comme ça. Regarde-moi, là. Très jolie, cette petite sonate à quatre mains. Oh, moi, je comprends pas. Ta méthode, celle-là, peut-être bonne pour toi, mais pour moi, elle est très mélangeante. Bon, chacun sa façon de se débrouiller avec les multiplications. Mais moi, je finis par passer, par exemple. Hey, le test de mon père qui arrive. Il a même dit que si j'avais pas 10 sur 10, on pourrait plus se voir, que je pourrais plus manger de dessert, que je pourrais plus... Est-ce qu'il va te laisser aller à l'école quand même? Ça, ben oui, voyons. Bon, moi, je vais aller m'habiller. C'est bien l'heure de partir. Bon, écoute, moi, je vais m'occuper de ton copain et quand il va se sentir mieux, il va aller te rejoindre à l'école. D'accord! Écoute, Robin, j'ai cru comprendre que ton père veut te faire passer un test de mathématiques. Oui, mais... Je comprends pas, j'y arrive pas. Mon père, il pense que je me force pas, mais je me force. On dirait, ça veut pas rentrer là-dedans. J'ai pas de mémoire. Minute, Robin. Tout le monde a une mémoire. Ah, ben la mienne, j'aimerais bien ça la rencontrer. Oui, peut-être qu'elle est un petit peu paresseuse. On peut la stimuler. Si de la minute, on te pose une question de mathématiques et tu dis que tu connais pas la réponse, ben, tu bloques peut-être un petit réseau en dedans. Oui, mais les tables de multiplication, là, j'ai beau les répéter... Faudrait que tu comprennes comment les tables de multiplication fonctionnent. Je sais. Ben non, mais écoute, si tu fais juste répéter, eh bien, ça pourra jamais rentrer. Non, je le sais. Ça prend des biscuits. Mon père, il me l'a expliqué avec des biscuits. Ben non, pas du tout, hémisphère. Non, il faut que tu laisses le temps à ta mémoire d'emmagasiner les tables de multiplication. Moi, les chiffres, là, ça m'étourdit. 5 fois 6, 30. 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 5 fois 6, 30! Hey, ça donne rien de les apprendre. C'est moi qui vais être choisie. Laisse faire, Stella Francoeur. J'aime mieux pas prendre de chance. 5 fois 6, 30. Je commence à savoir. Elle t'a pas peur de devenir un robot à force de répéter comme ça? Moi, c'est quand je me répète les affaires souvent que ça me rentre dans le coco. Quand je veux faire une commission, j'aime mieux pas avoir de papier pour pratiquer ma mémoire. Ah oui? Ah oui, c'est ça. Tu t'en vas en disant un tube de dentifrice, une brosse à dents, de la tête en fromage. Un tube de dentifrice, une brosse à dents, de la tête en fromage. Un tube oui! de dentifrice. C'est comme ça que je répète. Ah oui, puis tu reviens avec une brosse sur la tête, un tube à dents, puis un dentifrice au fromage. Ris tant que tu veux, mais je vais savoir que 5 fois 6, 30. Attention! Je te le dis, Robin, ça serait un de mes rêves, ça. Devenir tellement petit, tellement minuscule, que je pourrais voyager à travers le cerveau. Tu sais, selon certains savants, la moindre petite expérience de nos vies est enregistrée et conservée par des circuits de notre cerveau. Comme ça, on peut retrouver un souvenir comme le pompon de Mathieu que j'ai perdu. Bien sûr, des choses aussi simples que ça. Et des choses plus importantes aussi, comme le jour où moi, par exemple, j'ai vu pour la première fois les grandes pyramides. Ah, ça, Robin,
C'est inoubliable. Et puis, je suis certain que les pyramides sont ici, là, sont là, quelque part, par là. C'est... Tiens, j'ai presque l'impression de les effleurer ici. Ah oui, pour moi, la mémoire renferme des trésors. Des trésors dans lesquels on peut aller puiser. Ah oui, c'est tout, nos... tout ce qu'on a fait. Et puis, tout ce qu'on a aimé. Et tout ce qu'on a moins aimé aussi. Ah oui. Dans le cerveau, il doit y avoir des sortes de tiroirs. Des coffres. C'est ça, des coffres. Dans lesquels se cachent des connaissances. Tout ce que tu sais. Tous nos souvenirs. C'est ça. Je suis dans ma mémoire. C'est ici que je garde tous mes souvenirs. Mon plâtre. J'avais 6 ans. J'étais en première année. Oh oui, c'est ça. On était allés au parc. Puis j'étais grimpée dans la pyramide. J'étais tombée. Ouch! Qu'est-ce que ça sent ici? Oui, c'est ça. Je me trompe pas. Il n'y a rien que les confitures aux fraises de grand-maman pour sentir aussi bon. Des fraises. Charlot? T'étais toujours à la tête de mon lit, juste à côté de l'oreiller. Je ne pensais jamais que j'avais autant de chiffres dans ma mémoire. Oh! L'adresse de notre ancienne maison. C'est vrai. Il avait fallu que je la prenne par cœur. C'était plus prudent. Mon père me disait, si tu connais ton adresse, tu peux toujours te retrouver si jamais tu sais plus où t'es rendu. C'est pourtant vrai. J'avais réussi à l'apprendre. Tiens, on dirait que c'est ici le centre des mathématiques. Faudrait pas que mon père voie ça. Ouais. Même les additions sont pas correctes. Comment ça se fait que j'ai laissé tous les chiffres s'empiler comme ça? Mon boulier. Le tableau, c'est là-dessus que papa m'a appris à reconnaître les chiffres. J'avais quoi, donc? 4 ans? Ouais, j'avais 4 ans. Ouais. Faudrait bien que je mette un peu d'ordre. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Les lettres. C'est beau. Ils sont là. Ils sont tous là. Tous les livres que j'ai lus. Puis il me reste beaucoup de place pour en mettre d'autres. Et j'ai pas fini de lire. Et que je l'avais tant aimé, celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais j'y pense. Ça doit être des pages que j'ai oubliées, ça. Il faudrait que je la relise, celle-là. J'en ai oublié des petits bouts. Si j'étais aussi bon en calcul que je suis en français, il y aurait de l'or dans ma mémoire. Mais des fois, il y a des choses qu'on oublie. Des ballons, comme pour la fête des chrétiens. Ah! Hey, je viens d'avoir le souvenir de quand je t'ai vu pour la première fois. Oh. Sur un banc.
grands yeux, je vois la queue des oiseaux bleus qui chantent à deux. Mes amis ont quelques chansons qui font des bons, et puis ça va! Je me demande une chose, moi. Pourquoi c'est si facile d'apprendre les paroles d'une comptine et pourquoi c'est si compliqué d'apprendre des tables de multiplication? C'est une bonne question, mais... Hé, Lolotte! Ça me donne une idée géniale! Dis-la! Pourquoi on chante pas les tables de multiplication sur le même rythme que la comptine? On essaie! Oui! Bon, 3 fois 1! 3! 3 fois 2! 6! 3 fois 3! 9! 3 fois 4? 12! Wow, ça marche! OK, on essaie avec la table de 4 maintenant. Oui, attention, oui. On y va! 4 fois 1! 4! 4 fois 2? 8! 4 fois 3? 15! Oh non, je me suis trompée. C'était trop beau pour être vrai. Ça prouve qu'il faut les apprendre quand même, nos tables. Non, qu'est-ce qu'il fait là, Robin? J'espère qu'il n'est pas malade, il était assez énervé. Il y a plein de choses dans ma mémoire. Mm-hmm. Puis c'est vrai que je peux l'utiliser. Mais je vais aller chez nous apprendre mes tables de multiplication. Je me sens un peu mieux maintenant. Comme tu voudras, mon gars. Ah, bonjour, Conrad. Je suis facile à reconnaître, hein? Darius, trouve quelque chose. Je veux me débarrasser de ce bruit-là. Mais c'est pour ça que j'étudie le cerveau. D'ailleurs, j'ai déniché le livre le plus récent sur le sujet. Ah oui? As-tu trouvé quelque chose? Ah, une foule de choses. Ah! Mais rien au sujet des cloches. Je m'en doutais aussi. Écoute, mets-toi ton aise, là. Je vais t'examiner, hein? Bon. Voilà. Voilà. On va voir ça. C'est bien. Je vais procéder à un petit examen. Alors, détends-toi. Détends-toi. Ça fera pas mal. J'ai pas peur d'avoir mal. J'ai juste peur que la cloche ne parte pas. On dirait que j'entends plus de bruit. J'ose pas en croire mes oreilles. Entends-tu quelque chose? J'entends rien, moi non plus. Est-ce que je serais guéri? Hein? Ah! Je suis guéri! Darius, c'est un miracle! T'es un génie! Mais j'ai rien fait! Oh, enfin, je vais pouvoir faire mes exercices sans entendre cette cloche qui me fatiguait depuis hier! Je suis guéri! Mais non, mais faudrait pas que ça te monte à la tête, là! Et vive le jogging! Mais attends, attends! Tu oublies ton... Oh! Hémisphère d'hémisphère! Conrad! Conrad! J'ai trouvé! Eureka, Conrad! Darius! Dis-moi pas que c'est toi qui entends des cloches maintenant! Mais non! Oh, 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 oh! Oh, Conrad! Oh, Conrad! Ces tables-là, on entend juste parler d'elles par les temps qui courent. Mais, je te jure, bah, j'aimerais mieux parler d'autres choses, mais tu sais ce qui va m'arriver, hein, si je réussis pas le test de mon père. Tu m'as tout raconté ça hier soir. Plus de dessert, plus de petits tours chez Stella. Oh, arrête, là, je sais tout ça par cœur. Je connais mon père. Dès qu'il va arriver de travailler, là, il va m'apostropher pour me faire passer le test. Ah, j'aimerais autant être ailleurs, n'importe où. Juste histoire de changer d'heure. Chut, là, ma mère. Robin, qu'est-ce que tu fais là? L'école vient d'appeler. Ça fait 10 minutes que je m'obstine à dire à la secrétaire que t'es partie pour l'école. J'étais pas bien, maman. T'aurais pu m'avertir. Je commençais à être inquiète, là, moi. Je suis juste venue voir pour en avoir le cœur net. Je m'excuse, j'ai complètement oublié. J'ai l'air faim, là, moi. Même pas savoir que mon fils est à la maison. Il va falloir que je le rappelle. Bon... J'aimerais ça que tu fasses attention, hein? Je veux que tu te reposes, mon pire. Oui. Elle est drôle, elle, me reposer. Avec tout ce que j'ai à apprendre. Oh, j'ai pas une minute à perdre. Si t'as besoin d'aide? Non, non, Buzz, laisse faire, là. Je vais essayer tout seul. Comme tu voudras. Moi, j'ai tout mon temps. Bon, on va commencer par la table de deux. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 5. Oh non, je vais faire la table de 3 parce que c'est avec elle j'ai plus de difficultés. 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois...
Oh non, la table de 4, là, c'est elle la plus difficile. 8 d'abord. Bon, je pense que je vais revenir à la table de 3 parce que 4, ça vient après 3. Puis... Minute, là. Est-ce que je peux me permettre de te donner un petit conseil? Ouais, fais ça vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Tu n'arriveras à rien si tu fonctionnes comme ça. Tu ne peux pas tout apprendre en même temps. Mais oui, mais un test, c'est des questions qui sont posées dans toutes les tables en même temps. Peut-être. Mais pour apprendre sans te mélanger, il faudrait que tu pratiques d'abord systématiquement. Systématiquement? Ça veut dire qu'il faudrait que tu apprennes tes tables bouchée par bouchée. Oh, j'aurais jamais le temps de tenir à temps. Concentre-toi sur la table de 3 pendant 5 minutes. Moi, je vais te minuter. Bon, on va essayer. 1, 2, 3, go! Et puis, la table de 3. Mais je pense que je l'ai assez. On passe à la table de 4? Oui, mais j'ai peur d'avoir tout oublié d'ici le test, moi. Ouais. J'ai une idée. On dirait que tout le monde a des idées sauf moi. Tu t'énerves trop. Écoute bien mon idée. Pour que les tables de multiplication se gravent dans ta mémoire, tu sais ce qu'il faut faire? Non. Pendant le test, t'auras juste à penser à moi. Comment ça? T'as pas remarqué que j'étais couvert de chiffres, moi? Mais oui, boss, c'est pour ça que t'as un réveil matin. Donc, pendant le test, tu auras juste à penser à moi. Regarde bien. Je vais faire 4 x 3. Qu'est-ce que ça donne? Midi. Mais non, 12. Ah, oh, je comprends pas, tu m'aides. Eh bien, concentre-toi et regarde-moi comme il faut. Je vais faire 4 x 2. Oh, arrête, là. Ça fonctionne même pas, ton système. Excuse-moi. Pourtant, les tables de multiplication, c'est emballant. Tu parles comme mon père. Ah, laisse tomber. 3 x 1, 3, 3 x 2, 6, 3 x 3, 5 x 5, 25, 5 x 6, 30. 5 x 6, 30. Papa, déjà? Bien oui, Robin, c'est moi. Je suis revenu pour le dîner. Oh, donne-moi encore un peu de temps pour la test. J'ai pas tout à fait fini. Énerve-toi donc pas. Je suis pas venu te faire passer le grand test. Ah non? Je suis venu m'informer de ta santé. Paraît que ça n'allait pas ce matin. Ouais. Mais là, ça va mieux, là. Ouais, ça va mieux. Est-ce que c'est aujourd'hui, le grand test? Pas le temps. Il faut que je travaille sur mes propres chiffres. Il est arrivé des factures que je n'attendais pas à la biscuiterie. Mais profites-en. Ça va te donner le temps de travailler un peu plus. Ouais. Et puis aujourd'hui, tu t'y attendais beaucoup trop. Je te l'ai dit, Robin, je vais te prendre par surprise. Salut, mon gars. Mes chiffres m'attendent. Youhou! C'est pas aujourd'hui le grand test. Robin! Tu m'as fait peur, celle-là. Je pensais que c'était mon père qui revenait. Robin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est-tu quoi? C'est quoi? C'est pas mon nom qui a été pigé. Yeah! C'est pas moi qui vais faire le combat. Et celle-là, c'est-tu quoi? C'est pas aujourd'hui mon grand test! Yeah! J'ai content, je suis soulagée! Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a, celle-là? J'ai autre chose à te dire. Une mauvaise nouvelle. C'est quoi? C'est pas mon nom qui a été pigé. Mais non, je le sais, tu me l'as dit. C'est le tien. C'est la catastrophe. Robin a très peur. Pourtant, Stella et Buzz lui ont suggéré plein de stratégies pour mieux s'organiser. Robin fait beaucoup d'efforts pour apprendre, mais la menace de son père et maintenant le combat de l'école le décourage. Les explications de l'oncle Darius l'aideront-ils à mieux se retrouver dans sa mémoire? Découvrira-t-il une piste pour apprendre, celle qui sera la bonne pour lui? C'est ce que nous saurons dans la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Robin a des problèmes à l'école. Léon, catastrophé par la pauvre note de 3 sur 10 en mathématiques de Robin, décide de lui enseigner les multiplications. Chacun a beau lui montrer sa méthode, Robin ne comprend pas. Pourtant, en entendant l'oncle Darius lui parler du cerveau,
Robin comprend mieux sa mémoire. Il en rêve et s'y promène. Comble de malheur, il est choisi comme le chef d'équipe pour le combat sur les tables de multiplication. Il est très inquiet. Allons vite voir la suite de cette palpitante aventure de Robin et Stella. Moi, là, j'échangerais toutes les tables de multiplication du monde pour mon lit. Ah, mais c'est vrai! Pourquoi on dit que c'est des tables de multiplication? On pourrait appeler ça des lits de multiplication ou des commodes de multiplication. Oh, wow! C'est toutes des idées, ça, pour quelqu'un d'aussi fatigué que moi. Tu t'endors pas, toi, Robin? Je peux pas dormir. Si je dors, là, demain, je saurai rien. Pas vrai, ça. Des fois, là, quand mon oncle Darius est pris avec un problème qu'il comprend pas, il dit, je vais aller dormir là-dessus. Ben, moi, j'arriverai même pas à fermer l'œil. Et puis le proverbe qui dit « La nuit porte conseil », qu'est-ce que t'en fais, hein? Je connais pas de proverbe qui dit que la nuit pourrait m'apporter mes tables de multiplication, hein? Oh, je le connais pas, lui, moi. Stella, faut continuer. Je fais juste de commencer à comprendre. Il y a tellement de choses à apprendre, là. Oh. Je t'en supplie, s'il te plaît, reste encore. C'est quand tu me les dis que j'apprends mieux. Deux fois deux, quatre. Attends, Stella. J'étais tellement dans mes tables, là, que j'ai oublié de te demander quelque chose d'important. Ah? Une chose comme dormir? Non. Je voulais te demander qui avait été choisi comme chef d'équipe contre moi. Je t'allais pas dit? Non, c'est qui? C'est Barracuda. Ah, oh, c'est Barracuda? Mm-hmm. Ah, oh, ben c'est parfait, ça. Tu sais, lui, il est bon dans rien. J'ai des chances. Minute, Robin. Pas sûr, moi, ce que ce soit une bonne affaire. Barracuda, il est peut-être mauvais en tout, mais en calcul mental, il est génial. Oh non, j'ai pas de chance. Contre quelqu'un qui aurait eu des difficultés en multiplication, j'aurais eu des chances, mais là, contre lui, je serais jamais capable. Tu dors debout, là. Regarde, t'es fatigué, toi aussi. Oh, je le sais, Stella. Faudrait que je dorme. Ah, enfin, t'as compris. Mais faudrait que j'apprenne mes multiplications en dormant. Hein? Comment tu veux faire ça? Ben, t'as jamais entendu parler des gens qui apprennent en écoutant des cassettes pendant qu'ils dorment? En écoutant des cassettes? Ben oui, ils enregistrent tout ce qu'ils veulent apprendre par cœur sur une cassette. Hein? Et puis, en dormant, ils écoutent. C'est ça que je vais faire. Ouais. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Oh, puis moi, toutes ces affaires-là, là, c'est comme de la bouillie pour les chats. Ben, en tout cas, si jamais ça marche, là, je vais essayer ton truc pour apprendre par cœur tous les mots du dictionnaire. Bon, je vais enregistrer mes tables de multiplication. Puis après, je vais dormir en les écoutant. Bon, chut, je commence. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Ouais, Robin, je pense que je vais aller me coucher. Chut. 2 fois 3, 6. 2. Je dors debout, là. Je suis plus capable de rester. Attends, chut. J'enregistre, là. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6. Stella? Qu'est-ce qu'il y a? Lolotte, j'ai quelque chose de très important à te demander. T'as vu l'heure qu'il est? Mais je sais quelle heure il est, c'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir si tu sais ce que Barracuda a fait ce soir. T'aurais pas pu me demander ça demain matin, non? Non, c'est très important pour Robin. Je veux savoir si Barracuda a étudié. Moi, je pense pas. Il est enfermé dans le hangar depuis le début de la soirée. Il écoute de la musique à tue-tête. Ben, va voir quand même, hein? On sait jamais. Si je reviens pas, c'est que je serais tombée dans mon lit en passant. Hé, hey, Lolotte, fais-moi pas ça. Bon, je vais aller voir. Bon. 6 fois 5, 30. 6 fois 6, 36. 6 fois... Bon, enfin! Je pensais que ça finirait jamais. Pour moi, là, se bourrer le crâne, ça donne rien. Si tu ne te reposes pas, ça te mènera nulle part. Faut te reposer. Je
Pas demandé l'heure, toi. Non, mais je vais te la dire quand même. Mm. Il est minuit et demi. Hein? Il faut que je me couche tout de suite. Pour moi, ça te prendra pas une minute pour t'endormir. Oh, là. Il faut que tu me réveilles de bonne heure, hein? Qu'est-ce qu'on dit? S'il vous plaît. C'est mieux. De bonne heure et de bonne humeur. Deux fois un, deux. Deux fois deux, quatre. Robin, je pense que je vais aller me coucher. Oh, qu'est-ce qu'elle fait, donc? Elle revient pas. Si elle tombait endormie, elle, là... Oh, oh. Stella! Stella! Oh, Lolotte! Oui? Enfin, qu'est-ce que tu faisais? J'ai cherché Barracuda. Il est pas dans son lit. Pas dans son lit? Non. Il est encore dans le hangar. À écouter de la musique? Oui, mais surtout à... À quoi? À étudier. Oh, non! Catastrophe! Robin est foutu, puis toute notre équipe avec lui. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Non, t'as une idée? Oui. On devrait... On devrait quoi? On devrait aller se coucher. C'est la seule chose qu'on peut faire à cette heure-là. Non, c'est pas fou, ça. Bonne nuit, Lolotte. Qu'est-ce que c'est que ça? J'allais justement te réveiller. Toi, là, ça va. Si tu savais comme ce combat-là énerve notre Robin. Un combat de table de multiplication. Ça a toujours été mon rêve. Pour Robin, c'est un cauchemar. Ben, y a pas à dire, on se ressemble pas. Non, c'est sûr, il est pas comme toi. Mais tu devrais être moins sévère avec lui. Je te le dis, Léon, il fait son possible. T'as peut-être raison, après tout. Ben, on devrait l'encourager. Ça lui donnerait peut-être le petit coup de pouce qui lui manque. Je sais pas s'il va être en meilleure forme aujourd'hui. Ouais, hier, il emmenait pas large. Il me semble que je l'ai entendu bouger pas mal cette nuit. Il a dû rêver qu'il se faisait manger par une multiplication. Une multiplication? C'est pourtant tellement... Oh, fin... je le sais, Léon. Pour toi, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais pour Robin... Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. En forme, mon Robin? Oh, ouais, ça va. Une petite vite ce matin? Franchement, Léon. Trois fois quatre? Léon, énerve-le pas. C'est important pour lui aujourd'hui. En tout cas, mon fils, j'espère que tu vas faire honneur à la famille des Brizards. Mets-lui pas trop de pression sur les épaules. Eh non, c'est pour lui dire que les Brizards ont confiance en lui. Hein, mon Robin? Maman t'a préparé une belle petite assiette, là, hein? Des carottes parce que c'est bon pour les yeux. Pour que t'aies l'œil ouvert et le bon. Des épinards, ça donne des forces. Mais ça multiplie tes forces par au moins 10. Et puis du céleri parce que c'est bon pour la mémoire, peut-être, hein, Léon? Ça se peut, mais je m'en souviens plus. Je pense que j'aurai pas le temps de manger parce qu'il faut que j'aille chez Stella, moi. Ben, franchement, ça a pas d'allure. Il faut quand même que tu manges un peu. J'ai pas envie que tu tombes dans les pommes. Est-ce que tu mangerais un 3x3 avec ça? Un quoi? Un 3x3? Un 9! Parle donc comme du monde. Ben, je vais prendre ça, là. Faut que j'aille me préparer. Bonne journée. Bonne journée, mon pète! Et puis, oublie pas, hein? Bingo! Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien, c'est une surprise pour Robin. Prêt pour le combat, champion? Oh, c'est plus ça, hein? Ah, faut te repomper là un peu. Ah, il va se repomper, tu vas voir. Okay. Regarde, je t'ai préparé quelque chose d'extraordinaire. Des lunettes de soleil? Non, comme ça, on dirait que c'est des lunettes de soleil ordinaires. Mais elles sont très, très spéciales. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai inventé des lunettes exercice. Des lunettes quoi? Exercice, oui. C'est pour apprendre toutes les tables de multiplication plus rapidement. Regarde, j'ai écrit à l'intérieur, avec un petit crayon blanc, toutes les tables de 1 à 6. Wow! Grâce à ces lunettes-là, c'est possible d'apprendre tout en marchant. Suffit de les porter. Même s'il fait pas soleil? Beau temps, mauvais temps, ça fonctionne quand même. Tu apprends tout en marchant. Fini les pannes, fini les peines. La lunette exercice de Stella Franqueur vont te redonner le bonheur. Je peux les essayer? Ben oui, c'est pour ça que je les ai fabriquées.
Hey, super, celle-là, ça marche. 2 × 1, 2. 2 × 2, 4. Hey, deux fois ça 3. Marche encore mieux quand tu marches. Hey, tu ferais une bonne marchande. Allez, vas-y, prends une marche. Hey, si ça marche, marché conclu. 3 × 1, 3. 3 × 2, 6. Hey. 3 × 3. Hey, celle-là, t'écris tellement petit là, que ça me donne mal aux yeux. Oui, mais t'apprends quand même. Oh, oui, 3 × 3, 9. 3 × 4, 12. Oh! Ouch! Oh, je vois plein d'étoiles! Oh. Oh. Oh, c'est pas génial, mon idée, hein? Tu vois, à chaque fois qu'on parle de multiplication, il arrive toujours quelque chose. C'est jamais quelque chose d'heureux. Moi, je sens que je vais me faire laver dans ce combat-là. Oh, puis j'arriverai jamais à donner une seule bonne réponse. On n'est même pas sur le chemin de l'école, là, puis regarde, je tremble comme ça. Ça, c'est le trac. Je connais ça. Tous les artistes avant un spectacle, tous les athlètes avant une performance, on le traque. Moi, par exemple, avant chaque combat, je voulais me cacher dans ma case tellement les dents me claquaient. Après, ça se passait. Il suffisait que je donne un coup de savate ou que je reçoive un coup d'avant-bras. Je te jure que le trac me faisait « bye-bye ». Oui, mais moi, quand je suis énervée, j'oublie tout. Ça, c'est une question de nervosité. Faut que t'apprennes à te contrôler. Mais je suis pas capable. Pas capable et mort. Faut te détendre, ben. Respirer. Respirer par le nez, la bouche, les yeux, les oreilles. Respirer. Faut que tu te dises que tout va aller bien. Ça peut pas aller mal. Faut partir gagnant. Tu m'entends, champion? Gagnant. Faut que tu laisses ton esprit se détendre. Plutôt qu'il se ratatine comme une vieille plure d'orange. Si tu m'écoutes, Robin, tu vas gagner. Parce que moi, les combats, je connais ça. Allez. Pour gagner, faut savoir respirer. Le bonheur, ça nous aide à se calmer. Alors, respirez profondément. Comme ça détend. Les combats, moi je connais ça. Je peux en livrer deux à la fois. Les combats, moi je connais ça. Les combats, lui connaît ça. Pour gagner, faut savoir se trouver bon. Et se dire qu'on devient un champion. Alors, la confiance est importante, c'est la puissance des grands gagnants. Les combats, moi, je connais ça. Je peux en livrer deux à la fois. Les combats, moi, je connais ça. Petit massage. Par-dessus ça, il n'y a rien de meilleur pour remettre le système en place. Chatouille. Vive la chatouille! Un petit massage du crâne. Hey, Robin, quoi? T'as pas à t'en faire. T'as la bosse des mathématiques. Ah oui? Oui, juste là. Ah! Hey, t'as attrapé ça avec mes lunettes tout à l'heure. Oh. Tu vois, elles ont servi à quelque chose. Barracuda, je trouve que t'as l'air louche. Pourquoi tu me dis ça, toi? Parce que c'est vrai. Je trouve que t'as l'air louche. Merci du compliment. C'est pas un compliment. D'habitude, t'as l'air bête. Là, t'as l'air de bonne humeur. C'est ça qui est louche. Pourquoi t'es de bonne humeur, Barracuda? Tu devines pas. Non. Parce que je vais gagner le combat de table de multiplication. Vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Robin a étudié toute la nuit. Hein? Moi, j'ai pas étudié. Menteur. Je t'ai vu dans le hangar la nuit passée. Es-tu rendu que tu m'espionnes, la sœur?
Oui, je t'espionne des fois. Je veux comprendre pourquoi t'es si fatigant. D'accord, j'étudie un peu. Et puis ton robin, je vais le laver. C'est ce qu'on va voir. Je te gâche ta tranche de jambon et ta beurrée de beurre d'arachide que je gagne. Ma tranche de jambon et ma beurrée de beurre d'arachide? Hein? On laisse faire. J'aime pas ça jouer avec la nourriture. S'il vous plaît, attention! Silence, s'il vous plaît, on va commencer! Bon, alors, je vous demande de bien écouter les consignes et de vous détendre. Je vais donc poser une question au chef de chaque équipe qui va donner la réponse. Puis quand tu peux pas le faire, un autre joueur de son équipe peut le sauver. Attention, on y va! Bon, alors, la première question est pour Barracuda. Attention, 3 fois 12! Barracuda, s'il te plaît, laisse-moi finir la question. 3 fois 5. 15. Bon. Robin, maintenant. 2 fois 5. Je l'avais sur ma cassette, je l'avais. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3. Robin, je pense que je vais aller me coucher. Chut. Robin, je t'ai demandé 2 fois 5. Je pense que je vais aller me coucher. Non, c'est pas ça. Un joueur de l'équipe de Robin pour le racheter, Lola. 2 fois 5, 10. 2 fois 5, 10. 2 fois 5, 10. À ton tour, Barracuda. 4 fois 16. Tu vas trop vite, Barracuda. Laisse-moi terminer ma question. 4 fois 5? 20. C'est bon. À toi encore, Robin. 4 fois 3. Il faut que je le retrouve. Il faut que j'aille dans ma mémoire. 4 fois 3. Qu'est-ce que ça donne? Midi! Quelqu'un pour sauver Robin? Celle-là? 12! Très bien! On revient à Barracuda. 8! Beaucoup trop rapide, Barracuda. Attention, là. 6 fois 4? 24! Excellent! Encore à toi, Robin? 3 fois 3? Je la sais, la réponse, je la sais. Est-ce que tu mangerais un 3 fois 3 avec ça? 9! C'est bon! À Barracuda! 20! C'est quoi la question? 2 fois 8! 16! Facile! Robin? 3 fois 6? Oh, c'est pas vrai, ça se peut pas! J'ai un blanc de mémoire! Où est-ce qu'il faut que j'aille donc? Pas capable et mort! Faut te détendre, hein? Respirez. Respirez par le nez, la bouche, les yeux, les oreilles. Respirez. Faut que tu te dises que tout va aller bien. Ça peut pas aller mal. Faut partir gagnant. Tu m'entends, champion? Gagnant. Oui. Faut que je me détende. Pas d'énervement pour rien. En se détendant, on part gagnant. Oui. Dans le cerveau, il doit y avoir des sortes de tiroirs. Des coffres. Oui, c'est ça. Des coffres. Dans lesquels se cachent des connaissances. Ah, par là! C'est ça, c'est par là. Alors là, sur ma main droite, ma main gauche, plutôt, j'ai 5 doigts. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, et je comprends rien à mon truc avec les doigts. 3 fois 6, combien ça fait, donc? Faut que je trouve la réponse. Combien de paquets? 3. Et puis, combien de biscuits par paquet? 6. Et puis, combien de biscuits en tout? 18? Hé, c'est la même chose! Ça y est, j'ai la réponse. Maintenant, faut que je trouve la sortie. Faut que je sorte ici au plus vite. Robin! Robin! 18! Oui! On a gagné nos épaulettes, malurant, malurette. On a gagné nos épaulettes, malurant, malurée. Je le savais que je ferais rien qu'une bouchée de Robin Brizard. Arrête de chanter! Chante faux! Ouais! On a gagné nos épaulettes, malurant, malurette. On a gagné... C'est pas si grave que ça, après tout.
C'est arrivé à tout le monde de perdre un combat. Ben oui, même à mon père. Un bon jus d'orange? Ah oui, oui. Si. Toi, Robin? Ah ouais, je vais en prendre un aussi. Tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses maintenant, Robin? Faudrait que tu l'oublies, ce combat-là. Mm. Si tu te promènes pendant 5 ou 6 jours avec une tête de chien battu, t'auras pas seulement perdu le combat, t'auras même plus de plaisir à jouer avec tes amis. Ah, oh, c'est vrai, ça, Robin. T'es bien plus drôle quand t'es drôle. Qu'est-ce que tu racontes, là? Ben, je veux dire, t'es plus drôle quand t'es comme d'habitude. Ouais. Puis l'important, c'est pas de gagner ou perdre. Non, l'important, là, c'est d'avoir fait de ton mieux. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas tout. L'important, c'est surtout d'apprendre. Si tu y penses comme il faut, Robin, tu vas te rendre compte que t'as appris pas mal de choses au cours des derniers jours, hein? Ouais. Tout le monde m'a expliqué sa méthode pour apprendre les multiplications. Oui! T'as même appris à jouer du piano et à porter des lunettes! J'ai appris à exercer ma mémoire pour avoir plus confiance en moi la prochaine fois. Ouais. Mais finalement, ça n'a pas été une si mauvaise expérience. Même que peut-être, ça a été une très bonne expérience. Ben oui, je pensais que j'aurais même pas une bonne réponse, puis j'en ai eu 4. Ah! Hey! Mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il y a dans la lettre qu'il faut que je rapporte à mes parents. Ah! Mais si on l'ouvrait, juste pour voir. Il faut pas! Mon père m'écrabouillerait. Pour lui, les lettres, c'est sacré. Comme les chiffres. Ah ouais, comme les chiffres. J'espère que la maîtresse a pas marqué que j'étais poire en multiplication. Puis, est-ce que tu l'ouvres? Mais je pourrais. Mais tu penses pas qu'on devrait attendre ton père? Comme tu veux. Ah! Puis, où t'as mis le trophée? On t'attendait. Son professeur nous a écrit un petit mot. Je sais, elle a écrit que j'ai perdu, que je suis pas bon. Attendons avant de parler. Franchement, Léon, on est là tous les deux à attendre. Tu pourrais lire à haute voix? Bon, si vous y tenez. Monsieur, madame, cet après-midi, Robin a participé à un combat de table de multiplication. Comme vous devez le savoir, les mathématiques ne sont pas sa matière forte. Cependant, je dois noter qu'il fait des progrès remarquables. Robin travaille très fort pour s'améliorer. Je suis certaine que vous serez très heureux de le féliciter. Votre fils le mérite bien. En tout cas, moi, je suis content que toute cette affaire-là soit finie. J'espère que mon nom sera plus jamais pigé. Pourtant, ça a eu du bon. C'est vrai? T'as pu te rendre compte que tu faisais des progrès? Ouais. Mais des progrès, on fait pas ça tout seul. Moi, je pense que les tiens sont probablement dus à ma méthode. Je me demande si je devrais pas conseiller à mon patron de faire une publicité sur les biscuits en proposant un jeu de multiplication. Je veux pas te faire de peine, Léon, mais je pense que les progrès de Robin sont surtout dus aux bons aliments qu'il a mangés ce matin. Ben moi, je pense que j'ai fait ma part aussi. J'ai trouvé toutes sortes de moyens pour apprendre. C'est pas rien, ça. Robin, es-tu prêt pour ton test? D'accord, mais c'est moi qui te pose la première question. 1386 multiplié par 176. Attends, là, tu y vas pas avec le dos de la cuillère? attends, papa. Je vais t'expliquer. Enfin, Robin a réussi à se sortir de l'impasse. On peut dire que chacun a essayé de l'aider à sa manière. Maintenant, c'est certain que devant une difficulté, il saura qu'il peut s'en sortir. Il a repris confiance en lui. Il saura qu'il est capable de s'améliorer en découvrant de nouvelles stratégies. Ce n'est pas toujours facile, mais l'important, c'est d'apprendre. Il ne faut pas se décourager. Ne manquez surtout pas de nous revenir pour une nouvelle et palpitante aventure de Robin et Stella. Thank you.